Eh bien, salut à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur quoi? Bah, sur Farming Simulator 2017 PC. Donc, là, je vais faire une nouvelle vidéo. Donc, je ferai un petit peu de vidéos sur Farming PC. Ça fait ma troisième vidéo. Bon, j'en ferai pas souvent, mais là, vu comme j'ai l'occasion d'en faire, j'en fais. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter ma toute nouvelle ferme que j'ai faite. Donc, c'est une ferme un peu glitch, mais pas trop cheat en fait. C'est un peu cheat sans l'être un peu. Parce que j'ai un peu cheaté l'argent pour qu'on soit bien. Donc voilà. Comparé à l'autre qui était vraiment cheaté à mort. Voilà. On commence ici. Donc je me suis installé vers les moutons dans la ferme de la map Gold Crest Valley. Voilà. On commence ici. Donc on a ma petite maison. Ma petite voiture. Tout au fond, je vais faire un jardin. Là-bas, il y a là, il y a un peu de terre. Puis là, on a un karcher. Donc voilà. On va monter dans la voiture. Hop. Bon, c'est pas la meilleure ferme que j'ai pu faire, mais c'est quand même une ferme assez pas mal. Donc, je voulais m'installer dans un petit coin tranquille. Moi, j'aime pas trop faire garder les fermes de base du jeu. J'aime bien créer des nouvelles fermes. Voilà, elle est un peu petite, mais ça va encore. Donc, voilà. Donc, désolé pour les bruits que vous entendez. On commence ici par quoi? Par un plateau. Donc, je m'en sers pour vendre la laine. Là, j'ai pas encore enlevé les ridelles, enfin non, les angles, je veux dire. Là, on a quelques bâtiments, là, une grange notamment. Là, on a de la laine. Bon, elle est pas, je l'ai mise là en attendant. On arrive ici, donc ici, c'est un karcher pour laver les tracteurs. Là, on a un atelier. Là, une petite cabane. Là, on a le château d'eau pour l'eau. Là, on commence avec le premier tracteur. Donc, c'est mon petit valet de ferme. Un petit Zetor Proxima 120 Major. Donc, voilà. Avec une petite cuve à eau jusqu'à. Donc, voilà. Petit un chargeur. Là, on a la mélangeuse pour les petits ballots. J'en ai pas encore fait de ballots. Je vais bientôt en faire. Là, on a le rouleau donc, pour enlever les. La nourriture qui est sortie du bac. Là, c'est des objets dont je m'en sers pas souvent. Donc une petite benette ici remplie de d'engrais solide. Et là, un petit pic pour les ballots. Donc, voilà. C'est pas ce que je me sers le plus hein, dans la ferme. Je m'en sers quand même la petite bennette là pour faire pour emmener des petits trucs assez sympas dans la ferme. C'est plutôt pas mal. Là on arrive dans le premier hangar. Donc c'est un hangar de terre on va dire. En gros c'est là où je mets tous mes outils pour la terre. Qu'une charrue. Une petite charrue. Un petit on peut appeler ça un cover crop si on peut. C'est pas trop un cover crop. Voilà. Un petit chisel et un gros semoir voilà pour le blé et tout et un semoir pour le maïs etc. Donc voilà, donc ça c'était le premier hangar, donc voilà, il n'est pas non plus gigantesque. Là on passe au deuxième hangar, donc ici on n'a pas grand chose dans cette première case, donc on a mon pulvé Carwell, mon plateau avec la barre de coupe de la case. Voilà. Là, bon, aussi, là, on a vraiment rien. On a mon épandeur en grès solide et ma lame. Ma niveleuse, comme vous voulez. Voilà, donc là, on a mon Manitou. Donc, voilà, petit Manitou assez sympa. Celui de base. Voilà, là on a les laines. J'attends qu'elles soient pleines pour pouvoir les emmener. Donc là, je vais mettre un transpalette au bout. Là, on a le godet du Manitou. Deux petites masses. Là, on arrive dans l'hangar, mon préféré. Donc ici, on a une Josquin 3 essieux. C'est un monstre. Elle va super bien pour les moissons et pour le fumier parce qu'elle n'est pas très haute non plus. Comme. La crampe,
Je vais juste vous montrer la crampe. Elle est juste énorme, la crampe. Bon, après, c'est une bête en silage. Donc voilà. Elle est où? Elle est là. Vous voyez, elle a des ridelles. Donc elle est beaucoup plus grosse que la haute, je veux dire, que la Josquin. Donc voilà, mais j'aime vraiment ce type de Josquin. Donc voilà. Là, normalement, il y a une faucheuse. On n'est pas actuellement là. Là, on a une faucheuse New Holland. Voilà. Là, on a une petite bennette, enfin une plus grosse benne pour les plus gros transports déjà, ça. Voilà. Donc, petite agroline. Là, on a pour ramasser les ballots. Voilà, un Ursus. Là, on a une presse, New Holland. Voilà. Là, on a les cellules. Donc, je vais essayer de faire un truc assez potable. Donc, une cellule vide. Parce que j'ai juste de terminer de faire ma ferme. Et puis, bah, j'ai pas encore fait de moisson, etc. Donc, dans celle-là, soit je mettrai du blé. Parce qu'en fait, j'ai pas assez de cellules. Je sais pas si j'ai ragrandi le bâtiment à cellules. Mais je pense que je vais mettre du blé ou du maïs dans celle-là. Là, on a mon gilet. Donc, c'est un mode. Donc, je vais un peu vous expliquer. J'ai essayé d'installer des mods. Voilà. Je pourrais pas vous faire de tuto car je n'ai pas internet là. J'ai essayé d'installer des mods l'autre fois quand j'avais internet. Et j'ai installé plein de mods, le Renault Express, les cases, la famille case, là je sais plus comment ça s'appelle, ce mode qu'il y a devant vous. Plein de jeunes d'air, etc. Quelques Renault, donc voilà. J'ai essayé d'installer plein de mods et aucun n'a marché sauf lui. Donc j'ai fait bien comme il fallait, j'ai mis dans le document mode de My Games, etc. Voilà, j'ai regardé si les mods avaient quelques problèmes. Non, ils ont rien. Et j'ai aussi installé All Stream Map. Et donc, quand je vais sur le mode hub de farming, il y a tous les mods qui sont installés. Donc, j'ai installé All Stream Map. Elle ne marche pas. C'est-à-dire elle est dans le mode hub. Mais je l'ai installée dans le mode hub. On voit bien qu'elle est installée. Mais elle ne marche pas. Et j'ai aussi installé la campagne agricole. Elle marche, mais elle bug à mort. Dès qu'on monte dans un véhicule, ça bloque. Et on pourrait attendre au moins 30 minutes. Ça va jamais avancer. Donc voilà, c'est pourri, pourri. Si vous avez des techniques pour faire marcher les mods, dites-moi en commentaire. Donc voilà. Donc un JD 7530 Premium. Donc lui, il a des doubles phares. Magnifique. Le seul petit problème, c'est que même si quand on éteint les phares, bah, les phares restent allumés. Voilà. C'est un petit peu bête, mais c'est pas grave. Ça fausse pas le jeu non plus. À l'avant, on a une faucheuse Pottinger. Ouais, Pottinger. Ouais. Et on a une Bergmann derrière. Et donc là, on a ma cellule à herbe hachée. Voilà. J'en ai un petit peu là. Donc je sais pas encore si je vais agrandir les cellules, mais je pense que je vais les agrandir. Voilà. Là on passe à c'est le Casillage 1455 XL, donc c'est un de mes préférés tracteurs. Voilà, en vrai, en réalité. Voilà, donc magnifique celui-là. Bon, il travaille beaucoup celui-là dans la terre. Donc, voilà, là je viens juste de finir le champ derrière moi en semence. Là, on a la mouse batte avec là elle est équipée en barre de coupe pour les maïs car je vais faire les maïs tout à l'heure. J'ai un champ qui attend d'être récolté. Voilà, c'est pas la plus grosse case du jeu, mais c'est presque la plus grosse. Là, on a un fendt, un petit fendt assez sympa pour des travaux. Hein. Bon, il est assez gros quand même. Hein. Je pensais que j'allais vous dire un balai de fer, mais non, il est quand même assez gros. Donc voilà, il me sert un peu à tout. Donc voilà. Alors là, on passe à un ensemble, les amis, il est magnifique. Je vous conseille vraiment cet ensemble si vous voulez faire du déchômage. Donc à l'avant, on a un réservoir pour l'engrais liquide. Et à l'arrière, on a un cultivateur Amazon équipé en truc là pour épandre là, je me rappelle plus comment c'est, Vogel, je sais plus quoi là, c'est, je sais plus comment ça s'appelle ça. Voilà.
Et il est en rouge gelé. Bien sûr, c'est juste pour le style. Ça ne rajoute rien au jeu. C'est juste pour le style. Mais j'ai mis le réservoir à l'avant et ça ne marche pas. J'ai essayé de le faire marcher, ça ne veut pas marcher. Normalement, il y a un tuyau là qui monte en haut là, qui passe sur le côté du tracteur. J'ai pas réussi, donc il faudrait que j'aille voir sur internet. J'ai pas encore pris le temps, mais j'irai voir pour faire marcher la petite queue. Donc voilà les amis, donc c'est déjà la fin de cette petite vidéo. Donc c'était une vidéo assez longue parce que voilà, je voulais vraiment présenter en détail la ferme. Donc voilà, donc si une vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner, lâcher un like, et puis moi je vous dis à la prochaine. Allez, tchuss!